Comme j'ai expliqué juste avant, c'est un portail privé, donc il vient de se fermer. Et chaque résidence a son même principe. Alors effectivement, un taxi, il a accès. Et ben, dans les années, ils arrêteront pas de construire parce que c'est un pays forcément qui a besoin de loger des gens. Ils arrêteront pas. Видишь, Et les gens не font du открывает, а neuf. в его есть это. Un пульт. Да, пульт. Сейчас откроет. Donc il est rentré parce que on a pu rentrer, mais il ne peut pas sortir. Donc on a il y a une voiture à côté qui nous ouvre. C'est la sécurité. C'est-à-dire qu'il y a une caméra d'entrée. C'est pour ça qu'il a pu rentrer, mais il n'a pas la télécommande. Donc la voiture d'à côté nous a ouvert. Et là, il reste une vingtaine de secondes. J'espère qu'on va décaler. Donc là, en face, ils sont en train de construire. Pareil, des petits étages, des commerces à chaque fois. Ils font plein du neuf, du neuf, du neuf. Parce que forcément, il faut loger tous ces gens qui sont partis du fin fond de l'Ukraine. Et donc, il n'y aura pas de limite. Là-bas, il y a le nouveau. Et là, on va aller voir un qui est presque fini là-bas. Extraordinaire. Bon, bien sûr, les routes, après, ils vont les finir. Hein. C'est comme chez nous. Et en face, il y a plein de petites maisons à vendre. Ou à acheter, peut-être. Mais ça vaut entre. Сколько стоит одна так? 40-50? Может, 40-50, наверное. Entre 40 et 50 000 euros une maison comme ça, les enfants. Ouais. C'est privé, bien sûr. Mais 50 000 euros, ça n'a rien à voir avec les prix qu'on a chez nous. Mais la guerre, un jour, enfin, ça s'arrête.